Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de Far Cry Primal. Alors, on va aller tuer ce Ger-Hul et mettre fin à... Oula. Hop. On va l'apprivoiser. Attends, ça nous évite le combat. Par contre, moi, je vais appeler le gros qu'on va avoir besoin de lui. Alors là, normalement, je suis prêt. Moi, je dis, on fonce directement attaquer Hul. On m'en fouille un peu quand même. Il y a des choses à prendre avant de partir. Et même les feuilles jaunes, ça va nous être très utile pour la suite. Alors, je vois pas du tout comment on va chez Hul. Ah bah, c'est par là, il me semble. Voilà. On récupère la viande, ça peut toujours aider. Et c'est parti, allez, direction Hul. Alors là, on va l'utiliser. L'antidote, hop. Et on fonce directement à notre destination. Voilà, hop, tout simplement. Donc là, on y est. Et ça se voit très bien qu'on est dans sa base. Fétiche. Vous avez vu les massacres qu'il fait ici. Et on va se venger des dames. Et on va enfin finir ce putain de règne. Ce règne animal. Alors lui c'est un avertisseur. Ok. Même si j'aurais pu le tuer à l'arc, tout simplement. Ah, je voulais voir ça. On peut toujours pas le confectionner. Non, pourquoi? Faut que je passe la hutte à un niveau d'eau. La 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 la. Mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc du coup, cet arc ce sera vers la fin. Transporter 2 couteaux, 4 couteaux. Regarde un peu ce qu'on peut voir. Ouais, Saga par contre, ouais. Franchement, je vais améliorer ça. Saga, ça peut être vachement utile d'en avoir 5. On va aller tout doucement. Je pense que ça a forcément envie d'avoir l'armée. L'armée udamienne là. Franchement. Ok. Ah, au moins, normalement là, on va les mettre... Moi je dis on met ça. Infecté en tant que soin rapide. Hop, ça c'est fait. On avance. On avance tout ce moment. Non, franchement, là je fais en sorte de vraiment avancer rapidement le jeu. Et tout ce qui est crafté, tout ça, franchement, tu peux t'en sortir facilement sans ça. Je sais pas si je vais réussir, mais. Ouais. Olé, petit combo. Franchement. Pouf. Bon. Ça reste des ennemis assez simples là. Je pense que bon, petit à petit on va avoir les gros gardes. Mais on a trouvé la technique pour les gros gardes.
Hop. Allez hop, faut y aller au gourdin lui. Voilà. Ce fut voilà, on a traversé les gorges du dame. Putain, elles sont longues hein. Donc là on se trouve sur les terres du dame, alors moi je voudrais bien savoir où on est là. Il y a un bûcher ici. Franchement on va le débloquer, ça fera un point de... A checkpoint pour nous. On peut pas faire grand chose ici. Non, dommage, on aurait pu traverser assez simplement, mais non. Avec cette neige, je vois rien du tout. J'entends juste. Voilà. On a toujours. Hop là, ça fera un moins. Hop. Boum. Hop, un de moins. Hop là. T'as une petite guerre là quand même. Laisse-le se battre, laisse-le se battre. Attends, je vais l'enflammer. Voilà, éteindre le feu, on reprend notre bon vieux gourdin. Je crois qu'il a encore envie. Ouais. Ah, il a encore envie, c'est un culé. L'autre il s'est fait buter. Ah, franchement, c'est utile les couteaux berserker. Au début, j'avais aucune utilité du couteau. Et ça, vous le savez si vous regardez tous les épisodes. Franchement, j'ai jamais eu une seule utilité au couteau. Et franchement. Voilà, on va allumer ça déjà, ça peut être utile. Non, c'est pas utile, ok. Atteignez le bûcher et capturez-les pour les Wenja. Déjà, ouais, je pense qu'il faut que je fasse une percée pour les Wenja, donc j'avais bien raison. Faut vraiment que j'aille au bûcher. Et on va descendre tranquillement. Voilà.
va avancer tranquillement, mais sûrement. Donc on est plus trop loin, on est à 100. Ah, effectivement. Et là, on va peut-être y aller à la nage, non? Ouais. Vas-y, faut que je fonce. Faut que j'évite juste les mammouths. Les mammouths, c'est pas gentil. Hop, on y va. À deux de mammouths. On va y aller à deux de mammouths. Ça fait longtemps, les gars, qu'on n'a pas fait du mammouth. C'est parti. Alors, vous êtes où, les petits Zidam là? Allez, venez ici, les gars. Alors, les amis, vous venez pas m'attaquer? Jusqu'à je tranquille. Pof! Bon, mammouth. À deux de mammouth, ça c'est excellent pour attaquer une base. Il y en a un autre là-bas. Il y en a d'autres là-bas. Allez, venez. Normalement. Voilà. Et là, normalement, t'enflammes ta petite flèche. Tranquillement. Et tu mets le fire. Tranquillou. Bûcher. Et petite base pour les Wenja. Mammouth s'est cassé. Nous, on a récupéré notre base. Putain, notre bête, elle est vraiment amochée. Ok. Donc ok, pour la base des Wenja c'est fait. Et donc maintenant il faut trouver la grotte d'Ul. Alors petite sauvegarde comme d'hab. Ouais, il faut sauvegarder avant d'aller au suicide. Et c'est parti. On va y aller. On va aller à Donventure. Pas trop de temps de paix à perdre, du coup, voilà, on rush. Par contre là, on va essayer d'être discret, même beaucoup très discret. Ma monture carrément, c'est, elle s'est téléportée, d'accord. Oula. Putain, je le vois pas là. Par contre, ça vient de tous les côtés là. Ok, une de moins, un de moins. Ils sont où les autres? Pouf! Ouh putain! Les... Putain, je l'ai enfoncé dans le cul de mon...
Il est là, il est là. Hop là. Putain là je me fais. Ok. Donc là normalement ça doit être bon. Enflammé. Toi, tu veux ma mort. Putain, tu vas. À chaque fois avec ces trucs, c'est un calmeur pour les buter. Je vais jamais le buter. Ils sont invincibles ces trucs. C'est pire que des tanks. Qu'est-ce qu'il y a? Et nous, on va faire revivre notre petite bête qui est quand même morte. Ouais ouais là franchement j'essaie de récupérer un max de choses parce que j'en ai besoin. Ok. Encore un là. Ok. Nickel. Bon, franchement, on va essayer de récupérer du bois. J'ai contre ces petits trucs, franchement, ces gardes, ils sont vraiment abusés, sans même voire invincibles. Et ça, franchement, c'est un peu dégueulasse. Faut le dire, c'est dégueulasse d'avoir des mecs aussi invincibles. C'est chaud, chaud, chaud. Bon, là, notre but, c'est Hull. Et on va l'avoir ce Hull. On va récupérer un peu de viande dans ce cœur. Fais la grotte pour trouver Hull. On l'entend là. Oula. Qui est là. Hop là. Vous avez pas épargné les Wanja, moi j'épargne pas les vôtres. Je sens que ça va être dur, mais. C'est parti. Ok, bon, faut trouver. Putain, là, commence à avoir des gardes un peu partout. Hop. On va essayer de récupérer le max de choses avant d'arriver à Hull. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être mieux. Ah,
Vas-y, vas-y, viens là. Donc les berserkers, vous savez comment régler les berserkers, les gars? Oh putain. On va les laisser s'entretuer. Ça c'est bon. Putain, c'est chiant les animaux. Bon, vraiment gros point d'ordre de jeu, c'est franchement la gestion de son animal quoi. Oh là là, mais non, mais reviens, putain! Pourquoi tu vas l'attaquer? T'es complètement. Mais viens là, putain! Franchement, c'est des animaux de merde ça! Mais. Je t'ai dit de l'attaquer, putain de. Ouais, il retourne. Mais il y retourne, mais il est vraiment, mais complètement stupide cet animal. Voilà, mise à mort. Il fait une mise à mort et il meurt, tu vois. Ouh, ça va être chaud là. Donc là ça. Allez, ramène-toi. Nous on se casse. On les laisse s'entretuer. Franchement c'est. Le contrôle des bêtes, c'est bien. Mais franchement, ils auraient pu mettre un mode passif quoi sur la bête. Quoi, elle arrête pas d'attaquer. Franchement, je sais qu'on peut pas contrôler à 100% une bête. Mais là, faut abuser. Je l'appelle, elle repart. Je l'appelle, elle repart. C'est grave quand même. En même temps, on va rien à dire, c'est Ubisoft. Hein. Donc lui, il est là par là. Là, franchement, on va essayer de gérer tout ça. Oh putain, comme je dis. Ah ouais. C'est à vous de stalactites pour. Ok. Putain, par contre, je me suis fait. Allez, hop là. Bon, de toute façon, je sais que. On va galérer un peu. Par beaucoup. Attends, là par contre je comprends pas là. Les flèches, il n'y en a pas autant quand même. Hop. Pas tirer autant de flèches. Ouh là 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 là. Oula, oula, oula.
Je remonte. Je prends de la hauteur. Putain, par contre là. Mets la flemme. Je vais galérer là. Oh là 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 là, c'est un calvaire. Faut que je trouve du silex, mais j'en ai plus. Ça c'est chaud là. Il y a quand même pas mal d'alliés. En même temps, c'est chef des Udam, hein. Il doit en avoir des alliés. Ouh là 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 là, il me poursuit. Ça c'est chaud là. Ah, foutre de toi. C'est pas toi que j'ai envie de buter, hein. Bon. Allez, stalactite. Ok. Putain. Ça va être chaud là. J'ai plus beaucoup de choses là. Ah, j'ai plus grand chose. Ça va pas le faire. Il y a une stalagmite ici. Il y a une stalagmite, je vais réussir. Là, 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 là. Oh, le calvaire que je fais. Ah ouais, putain, vous êtes chaud les gars. Ah putain, c'est un calvaire. Il y a des sacs là ou je sais pas quoi. Ouais. Ouf, 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 ouf.
J'ai encore un essaim d'abeilles, ça c'est cool. Un essaim d'abeilles. Voilà. Je vais la voir. Crève. Si je peux pas t'avoir, je t'aurai d'une différente manière. Voilà, par contre c'est mes dernières flèches. Je pourrais rien faire. Si, si. Ouais. Faut que je récupère des sagas. Sagas, pardon. Je pense que c'est la fin. Mais tu kiffes ça, toi, putain. Voilà. Sad chance.
nice one. But just my mom. When Jai Palhuman Sidaf Kata. No Udam Ninja Dwaya. Good Shlawata. Kuspa Marwa Winja. Sasash. Donc voilà, Ulef est mort. Donc la menace du dame un petit peu donc annihilée, si on peut dire ça. Et alors, la stratégie fut pas très simple. En gros, il faut faire tomber des stalagmites sur lui. Donc, et après, maximiser les dégâts sur lui. Il craint aussi un petit peu le feu, mais perd très peu de vie. Enfin bref, stalagmite, donc assommé, le foutre à 7 dégâts. Essayer vers 25% de sa vie, arriver derrière lui quand il est assommé pour lui enlever masse de vie en lui faisant une exécution. Et dès qu'il lui reste plus de vie, bah, il faut lui faire tomber une stalagmite dessus pour que tout simplement la cinématique se lance. Donc une stratégie différente de l'autre qui était ici, là, vous vous rappelez de Da. Et franchement, ce fut un combat où je suis pas mort, mais que j'ai compris rapidement la stratégie. Donc on va pas dire très simple, pourquoi j'ai eu quand même du mal. Et il faut partir bien équipé, sachant que j'avais quand même max de munitions avant de vraiment de me lancer dans ça. Et moi je vous dis qu'on va passer maintenant à la deuxième partie. Donc là je pense que c'est vraiment la fin. Où tout simplement on va essayer de rejoindre Urkill Penseur. Il y a aussi une mission de Da et du Shaman. Donc il y a de quoi faire. Et je pense que le prochain épisode je vais donc faire ces trois missions là. Et après partir sur la forteresse. D'ici deux épisodes on va partir sur cette forteresse. Et j'espère qu'on aura la quête enfin pour tuer la grande sorcière, la grande méchante qu'on n'aime pas tous. Et voilà, tout en essayant de déverrouiller, en déverrouillant après toute la carte. Bon, ça, ce sera vraiment vers la fin. On s'occupera de ça. La chasse, je laisse un peu de côté en ce moment. Franchement, pour l'instant, ma bébête me sert suffisamment. Quoique, la chasse au rouge-neige pourrait me mettre utile. Franchement, je verrai, on verra par la suite. Et je vous retrouve pour le 17ème épisode.